Je suis avec Phil Lapéry, un sommelier de formation, un amoureux du vin, un amoureux de la nature. Ben, de la pêche, de la chasse, du 4 roues, je suis en amour avec tout ce qui se passe ici, puis même toi, je t'aime. Ça tombe bien, hein? Ça fait une belle journée de rêve? Tu m'as pas tordu un bras près de ça. C'est le fun. C'est une émission, puis on va prendre la tête de te jaser un peu, parce que à la base, moi, ce qui me fascine de toi, c'est, tu sais, on se côtoie dans la vie, on est des amis. C'est la simplicité avec laquelle tu parles de ta passion, la simplicité avec laquelle tu parles du vin. Ça, tu sais, on se l'est dit depuis le début, 2002-2003, quand on s'est rencontrés, ça reste jus de raisin fermenté. Faut pas prendre des grands mots, faut pas épater à la galerie. C'est quelque chose qui amène du plaisir, de l'échange, du partage, de l'amitié, c'est rassembleur, le vin. Puis je pense qu'on a un bel exemple aujourd'hui. On a un chef qui va nous jeter quelque chose, je vais t'amener deux, trois petites bouteilles, on va s'amuser. Puis en plein cœur d'une nature qui est merveilleuse, c'est pas chaud, mais... Ouais. On le sait que tu écris un livre le plus vendu dans le domaine du vin au Québec. Combien, mettons, tu peux goûter de vin quand tu fais ta sélection? Combien tu peux goûter de vin par jour? Par année, depuis une dizaine d'années, c'est 2520. On va en retenir à peu près 300 pour le livre. On filtre la crème. Il n'y a pas de petite tape dans le dos de vigneron-coup. D'enveloppe. Exact, de pot de vin ou de retour du balancier. Non, ce qui est bon, on le salue. Des vins qui nous amènent du plaisir avant tout. Des vins qui passent bien à table. Oui. Il ne faut pas oublier, parce qu'à la base, je suis un marchand de bonheur. Je suis un sommelier de plancher. Donc, je suis là pour amener du plaisir aux gens. Donc, essayer de trouver des belles fioles qui nous amènent qui ont un petit peu de plaisir et d'émotion en dégustation. Pourquoi ton livre a autant d'intérêt auprès du public au Québec? Bien, je pense qu'il y a des guides, il y en a d'excellents. Tu sais, je veux dire, tu connais le guide Faneuf qui est là depuis 35 ans, puis les Chartiers qui ont été là pendant près d'une vingtaine d'années. Je pense qu'on a démocratisé ça au plus haut point. Tu sais, je veux dire, le livre me ressemble un peu. Je suis le sommelier du peuple, simple. Si on peut le dire comme ça. Très simple. Tout le monde va comprendre à travers le guide. On va chercher les petites anecdotes, de savoir... En arrière d'une bouteille, il y a une histoire. Il y a un vigneron, il y a une vigneronne, il y a quelqu'un qui a mis le jus dans la bouteille avec amour, passion et conviction. Puis je pense que moi, c'est ma job, c'est d'aller déterrer un petit peu l'histoire pour la retransmettre dans le guide, pour que les gens autour de la table, ils s'amusent en la buvant, en disant « OK, c'est pas juste de l'alcool. » Ouais, exact. Il y a quelque chose de vivant là-dedans qui est le fun, qui donne de l'émotion. Là, notre émission, le Shore Lunch, c'est de la pêche, de la chasse. Es-tu plus pêcheur ou chasseur? Je fais un petit peu des deux. Okay. C'est comme pour le ski puis le 4 roues. Je fais un petit peu de tout. La pêche, c'est avec toi, avec une couple d'amis proches. C'est plus pour relaxer. C'est le côté convivial de se faire une petite bouffe dans un chalet. Puis la chasse aussi, la chasse au petit gibier. Ouais. Je chasse pas de chevreuil ou de rignal, rien de ça. OK, parfait, ça. Là, ça te tente-tu d'aller faire un petit tour? Oui. Oui. Un petit side-by-side, c'est le fun à conduire, oui. Ça. Oui, ça, c'est une bébelle d'adrénaline, hein? Ouais. On va du fun avec ça. Veux-tu chauffer? Oui, oui, j'aimerais ça. T'es-tu bon? Oui! Yes, sir! Yeah! Yeah! Attends, c'est le fun de revoir nos enfants, par exemple. Oh non, 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 là, ça sera pas drôle, là. Ah oui, ah oui. Baisse ta tête! Baisse ta tête! Mais non, qu'est-ce que c'est ça, ce temps-là? Ben, je pense, je pense. Es-tu capable? Ah, celle-là est grosse, pas de temps. Est-ce que ça passe? Ouais, ça va-tu être un tout le long? Des bouteilles de vin en arrière. J'ai fait pour ça. Attention, ouais, le reste, pas grave. Ouais. Puis, t'as dit ça faire de la télé? T'as dit ça faire de la télé? Ça a pas... Salut, bonjour, hein? Ah, c'est quoi ça? Le Kodak, est... Es-tu correct, là, pareil? Oui, il est bien correct. Lors de la neige, j'ai le truc, c'est ça. Hey, ça n'a pas de bon sens. Pour venir, là. T'en voulais de l'action, check le truc. On a des branches à la grandeur, man. Check ça. Check ça. check la neige.